Bonjour à tous, la tendance est toujours à la hausse ce matin sur le CAC 40 après être repassé au-dessus de la barre des 5000 points en clôture hier et cela pourrait bien se poursuivre tout au long de la séance. L'indice parisien est porté par la dynamique des marchés américains qui sont allés chercher de nouveaux records dans la nuit en ce qui concerne le S&P 500 et le Nasdaq et par les marchés asiatiques également en hausse ce matin. Un optimisme des investisseurs catalysé par les annonces de Donald Trump sur l'autorisation d'au moins un traitement supplémentaire voire deux aux États-Unis contre la Covid-19. Mais au-delà du front sanitaire, les marchés devraient bénéficier de cette bonne nouvelle arrivée dans la nuit sur le front de la guerre commerciale. Cette fois-ci, lundi, les négociateurs des gouvernements chinois et américains se sont entretenus par téléphone à propos de la mise en œuvre de la phase 1 de l'accord signé en début d'année. Et de part et d'autre, on estime qu'il y a des progrès sur le sujet. Selon les États-Unis, tout d'abord, les discussions ont porté sur l'augmentation significative des achats de produits américains par la Chine. Là où la Chine, de son côté, reste plus évasive, déclarant que les deux parties ont convenu de créer les conditions et l'atmosphère nécessaires pour continuer à faire avancer la mise en œuvre de l'accord commercial. Côté statistique, l'indice IFO du climat des affaires au mois d'août en Allemagne est attendu cet après-midi. Et en Allemagne toujours, le PIB au second trimestre s'est contracté de 9,7%. Une contraction sans précédent mais moins mauvaise qu'attendue puisque le consensus tablait sur un recul de 10,1%. Une contraction de l'économie allemande qui n'empêche pas le DAX de gagner plus de 2% en ouverture. Et attendu également cet après-midi aux États-Unis, cette fois-ci l'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier pour le mois de juin. Les ventes de logements neufs en juillet et l'indice conférence board de confiance des consommateurs pour le mois d'août.